Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts à bondir aujourd'hui. C'est l'heure de s'échauffer avec une corde à sauter. Simple à utiliser, facile à transporter. Allez, on y va. L'objectif est d'améliorer la qualité des appuis et l'endurance du bas du corps. Pour la corde à sauter, commencez de façon axiale. Sautez sur place ou en vous déplaçant. Vous pouvez sauter en faisant des montées de genoux. L'objectif est de mettre le plus d'intensité possible. Puis en impulsion latérale, déplacez-vous latéralement sur la largeur du terrain avec une action dynamique du pied au contact du sol. Faites-le en déplacement avant-arrière. En avant, faites une légère montée de genoux et en arrière, une légère montée des talons. Enchaînez avec le double contact entre chaque tour de corde et avec les deux pieds qui rebondissent simultanément au sol. Ce qu'il faut retenir des exercices avec corde à sauter. Mouvement axial, avec montée de genoux, mouvement latéral, en avant-arrière, avec double contact. Mon conseil à la corde à sauter est de rester très léger sur les avant-pieds afin de rechercher le contact le plus bref possible au sol.